Bienvenue à Rétro Images, ce nouveau segment sur les ondes de télé Images, côté que nous pourrons présenter des séquences d'images qui passaient dans le temps, dans les années 70, dans les années 80, 90, peut-être même dans des images dans les années 60, qui pourraient rappeler nous des moments que nous-mêmes dans la communauté haïtienne, dans la diaspora, nous vivons, ou bien dans le pays, hein, ou bien haïtiens qui, quel que soit côté nous à travers le monde, il y a des moments qui passaient dans la vie, nous, qui sont importants pour nous rappeler, tête nous pour nous gens, pour nous apprendre de nous, et certainement pour nous situer tête nous dans le présent, et garder puis devant dans le futur, pour nous voir qui gens qui côté nous situer tête nous dans la société. C'est comme si, dirait, bon, les images de ce passé, c'est comme un baromètre, un thermomètre pour faire nous voir qui température nous y est aujourd'hui. Si y est meilleur que aujourd'hui, ça veut dire que ça a fait aujourd'hui, faut nous changer, il faut nous repenser. Rétro-image, c'est idée qui derrière segment ça, c'est objectif segment ça tout, et puis, pourquoi pas, c'est ramener de bons souvenirs. Alors, le premier segment de rétro-image aujourd'hui, nous ramène dans la communauté haïtienne de New York et à Brooklyn, New York, à un amphithéâtre très populaire dans la communauté haïtienne, du moins ce qui était plus populaire que je n'ai aujourd'hui, hein, dans à l'époque, dans les années 80-90. Amphithéâtre, ça, c'est amphithéâtre de Brooklyn College. Brooklyn College, à l'époque des années 90, c'est une plateforme côté plusieurs artistes tapent défilé. Les planches de Brooklyn College ont vu défiler, bon Dieu, de grands noms de la musique haïtienne, de la culture haïtienne finalement. New York, c'était la capitale de l'industrie de la musique, the entertainment industry, the HMI. New York, c'était là, c'était bastion industrie ça. Je veux dire, nous a dit que New York pédule. New York pédule la bannière HMI là, qu'on y a, nous comprenons, nous avons tendance ouais, que c'est Miami, on t'y jambes, on fait plus. Mais là, ça, c'était qu'on fait New York, dans les années 90, c'était gros causé. Belle fête qu'on a fait dans la cour New York, gros bal qu'on a fait, de grandes têtes d'affiches. Et puis, particulièrement, dans Brooklyn College à l'époque, Brooklyn College, c'était gros causé. Lorsque l'on spectacle dans Brooklyn College à l'époque, les années 90, m'a pas l'eau, tout le monde s'est bien habillé. Mesdames, vous mettez garni sous yo, messieurs bien habillé. C'est ton belle époque. C'est ton autre public qui t'a sauté. Un public select, qui t'est contre ça, au dévelé, qui t'est contre Goubouchou, et puis qui t'a allé, qui t'a chita, qui t'a amusé yo, dans l'amphithéâtre de Brooklyn College, qui t'est contre prendre plus passer 3000 à 4000 moun. Charge à moun. Oui, Brooklyn College, t'est contre pack rempli à craquer, l'oué de belles fêtes, de grands galas, de grands spectacles, t'est contre fait. Image que nous présentons là, qui parle rappelot le bon vieux temps, de Brooklyn College, c'est en 1992 ça a été fait. Et l'image, ça va pour mettre en évidence une personnalité dans la communauté haïtienne que nous avons salué aujourd'hui. Il s'agit de M. Lionel Lamar. Il y a plusieurs producteurs qui, à l'époque, ont fait non. Gewald Mosten. Lionel Lamar, c'est un nom. Il y a l'autre, nous ne pas songer non. Mais aujourd'hui, il y a deux, ça va nous citer. Mais dans le moment, ça, c'est que moi, vous ne pouvez pas regarder là, c'est Lionel Lamar que vous pouvez mettre en évidence. C'est Lionel Lamar qui pourrait peut-être faire ouais travail que vous pouvez faire. Si je vous dis, n'oubliez qui est Lionel Lamar, je vous rappelle que c'est un monsieur qui a produit de grands spectacles dans la cour New York. Des spectacles de qualité, de valeur. Et au niveau production, au niveau contenu des spectacles. Lionel Lamar, eh bien, c'était gros causé. En 1992, dans Brooklyn College, il a été lancé une belle initiative. Il était lancé l'initiative de Miss Haïti America. Faut me dire, c'était deuxième édition, si je me trompe, de Miss Haïti America, ça. Les productions Lionel Lamar étaient lancées dans Brooklyn College avec un bel défilé de mode de ces jeunes filles de la communauté haïtienne dans New York qui étaient venues représenter zone côté au soutien en Haïti et qui étaient venues qui gens et qui yes, nan yo, qui t'a décoché couronne Miss Haïti America. L'année d'avant, c'était Cassandra Racine, qui était Miss Haïti America. Et en 92, ça, côté que nous allons ramener dans le temps, on va regarder sous, dans Brooklyn College, dans l'image, dans la vidéo là, Cassandra Racine pour traverser couronnant by un nouveau Miss America à l'époque, Miss America 1992. Qui a cité? Nous songez qui a cité? Nous songez moment ça. Sous t'es là, ou peut-être après tête ou après visage ou dans la foule là, et sous t'es participé comme contestante Miss America 1992, Miss Haïti America, organisé par les productions Lionel Lamar dans Brooklyn College à l'époque, dans propos date, 1992, you will see yourself actually. Great souvenirs, super beau spectacle, les couleurs, l'ambiance, la présentation d'un présentateur maître de cérémonie hors pair de Roselyne Jean qui font superbe travail. Et puis, les membres des jurys que nous avons plaisir, nous avons Thierry Anta par exemple à l'époque de Haïti Observateur. Nous avons des visages, Tom Malé qui était New York à l'époque. Bon, il y a plusieurs autres monde, Bab Songer et rappeler tout, nous avons une image. Rita Célestin, la sœur justement de Jude Célestin à l'époque, qui déjà était très active dans la communauté haïtienne.
n'a pas tout au monde qui est Gérald de Bostène, n'a pas Michael Melbastien. Enfin, ça, c'est membre des jurys. Notamment, dans membre des jurys, on a pour jeune Maggie Forest, Georgie Metellus. C'est un souvenir, hein, ces images. Avec plaisir, nous pourrons présenter l'image. Et nous pourrons voir qui est-ce qui était gagné couronne Miss Haïti America en 1992, mesdames et messieurs. Vous êtes à Télé-Image, voici des images qui vont vous rappeler de bons moments. Je pense que je peux déjà dire que c'était les années d'or de la culture haïtienne à New York. Les années d'or de Brooklyn College, bel spectacle, bel gala Brooklyn College. Ça, et bravo encore une fois, je vous dis, c'est à rendre un hommage bien mérité à M. Lionel Lamar. À l'époque, c'est ton garçon qui était qu'on fait bel spectacle dans Brooklyn College. Oui, Brooklyn College, c'était ça net. On a le vif moment ça. Miss Haïti America, dans Brooklyn College, d'apnant, c'est 1992. À nous suivre, à rétro-image, un retour dans le temps, un segment qui pourra passer fort vivre de bons moments. Rétro-image. Mesdames et messieurs, l'heure est venue de vous présenter ce bouquet de beauté créole. D'où sortira cette année Miss Haïti. Applaudissez-les, mesdames et messieurs. Moi, Rélé Marie-Georges-Louis, moi, j'ai 23 ans. Moi, suis étudiante dans le City College. Je m'apprends journaliste. Moi, je représente le Cap Haïtien. Moi j'ai 21 ans, mon école dans Hofstra Université, ma papa en comptabilité. Moi relé l'Uni Jean-Louis, moi représenté Port-au-Prince. Moi gagné. Moi gagné 19 ans, moi l'école à Hofstra Université et ma papa prend les boulots. C'est moi qui vais décider qui est Cap Miss Haïti 1992. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir cette présentatrice vedette à la télévision. Elle s'est distinguée. Et un jour, j'ai même réclamé à corps et à cri un trophée de meilleure présentatrice pour elle à la télévision. Il s'agit de Marie-Camel Bastien, mesdames et messieurs. Je vous demande d'applaudir Dominique Philippi, mesdames et messieurs. Membre du jury ce soir, Eddy Altine des Chuchleux. Je vous demande d'applaudir ce confrère qui n'est pas un con de frère. Ce Tahitien d'Afrique, Thierry Anta. Mesdames et messieurs, en tant que membre du jury, Georgie Metellus du groupe ZAN. Mesdames et messieurs, en tant que membre du jury ce soir, Monsieur Willy Sévère. J'ai le plaisir de vous présenter ce soir en tant que membre du jury, Maggie Forest. Mesdames et messieurs, en tant que membre du jury ce soir, je vous demande d'applaudir Gérald Demostène de Gedem Productions. Et ce soir, membre du jury, Rita Célestin.
le petit homme de malheur, Tom Mallet, membre du jury. En bedding suit, ce soir, la première contestante de Miss Haïti 92, si tout le monde, tout le pays, dans les mondes d'arriver, dans les mondes d'arriver, dans le bouillon paradis. Elle est en train de vous flatter, de vous charmer. Est-ce qu'elle finira par trouver grâce aux yeux des membres du jury? Marley Donna Brice. Érudice Jean.
Mademoiselle Cassandra Racine, qui t'est distinguée le tout l'année dernière lorsque tu as organisé une fête de Noël à l'intention des enfants défavorisés. Mesdames et messieurs, applaudissez Cassandra Racine. Miss Haïti 91. Elle remet un bouquet. À chacune des beautés créoles contestantes de Miss Haïti 1992. Mesdames et messieurs, n'a pas applaudi Gesslan. Vous applaudissez le geste. Et Miss Haïti 92. Miss Haïti 92. Charlie, cher enfant. Miss Haïti 92. Écoutez, regardez s'il vous plaît. Mademoiselle Racine, qui est en train de couronner Shirley, cher enfant, au titre de Miss Haïti 92. Shirley, cher enfant, que je demande, que je vous présente, mesdames et messieurs, avec le titre de Miss Haïti.